Bonjour, c'est Sophie Kilzy, je suis orthophoniste. J'aime lire des histoires pour les enfants chaque samedi à 11h. Je trouve que c'est très important pour eux pour améliorer leur langage, avoir plus de vocabulaire, construire beaucoup mieux des phrases. Et ça les prépare aussi pour eux-mêmes devenir de bons lecteurs. C'est donc très important. Et samedi prochain, je vais lire à Antelliès. Si vous avez envie de vous joindre à nous, juste réservez votre place en me contactant au 810-1111 par WhatsApp. Et il y aura un cadeau pour chaque enfant et vous pourrez aussi raconter une histoire pendant le livre. Vous participerez, vous vous amuserez et vous répondrez aux questions aussi. Vous êtes prêts pour aujourd'hui, les enfants? On y va! Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle, voilà notre titre pour aujourd'hui. La semaine prochaine, l'histoire sera en français. Alors, les aventures de Kimamila. Kimamila et le voyage sur un nuage. Ce livre a été écrit par Anne Loyer et Niels. Devinez de quoi ça va parler, de quoi il s'agit dans cette histoire. C'est dans la jungle ou ailleurs? Elsa n'est pas là pour répondre, donc je vous laisse deviner. Alors, voilà. Ça, ce sont les personnages de l'histoire. Il y a Manu, Kimamila. Qui a dit que je suis pas là? Ah, tu es venue! Voilà, Elsa, viens, viens, viens. C'est où cette histoire, à ton avis? Puisque ça s'appelle Non, Kimamila et le voyage sur un nuage. la plage. À la plage, c'est ce que tu penses? On va voir. Allez, on va remettre. Non, une forêt et non, la plage. Ok, peut-être, on va voir, on va vérifier. Donc, les personnages, Elsa, sont Kimena, Kimamila, Manu Nil. et Alori. La fille s'appelle Allez. Alori. On se baigne, ils sont à la plage, là, Comme et je l'avais dit. oui, c'est juste. On se baigne, sauvetage en mer. Ici, ils sont en train de se parler. Alori et Manu sont en vacances au bord de la mer. Ils s'amusent sur la plage. Manu, tu veux te baigner avec moi? Propose Alori. Parce qu'Alori est dans l'eau et Manu joue avec le sable. Il est à l'extérieur, n'est-ce pas? Il est à l'extérieur. Ouais. Alors, est-ce que tu aimes aller à la plage, toi? Oui? Tu es plutôt dans l'eau ou au bord de l'eau? S'il y a du sable, hors de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai jamais fait de château de sable et j'aime récolter des coquillages. Tu aimes les coquillages, tu vas à la recherche des coquillages Ouais. et tu fais des châteaux de sable. Non, je ne fais pas de château de sable, mais je me baigne. Tu te baignes. Et je vous regarde les garçons. Dans l'eau. Mais Manu préfère construire un château de sable. Soudain, le vent entraîne Alori vers le large. Qu'est-ce qui s'est passé, Elsa? Le vent enlève la roulerie au bord où il ne peut pas mettre ses pieds. Oui, elle n'a plus pied ici. Elle commence à s'éloigner avec les grandes vagues et le vent. À ce moment-là, tout de suite, elle se met à crier à son amie: Au secours! Au secours! Crie Alori. Aussitôt, Manu court dans l'eau pour l'aider. Mais les vagues sont Trop forte. trop grosses. Les vagues sont trop grosses. Il y a beaucoup, beaucoup de vagues. Pour les deux enfants, il y a beaucoup trop de vagues. Heureusement, Kimamila arrive en soucoupe, en volant, en nageant, En volant. en volant. Kimamila arrive en volant. Il tend la main aux enfants. Accrochez-vous! Qu'est-ce qu'il a fait, Kimamila? Il a pris les mains des enfants, ils sont envolés. Oui, Envolés. il les a sauvés. Il a sauvé les deux enfants de la noyade. On vole! Alori et Manu décollent avec le lutin. On vole, déclare Alori ravi. Il a des pouvoirs. Il a quoi comme pouvoir, ce lutin? Qui peut voler, qui a un nuage qui ne s'écoule pas. Il a des pouvoirs magiques, n'est-ce pas? Ouais, comme le Ça Père Noël. existe? Comme le Non. Père Noël, oui, il a des pouvoirs Sauf pour magiques. les Pères Noël et le lapin de Pâques, il y a. Oui.
C'est un peu différent? Un peu. Un petit peu? Et aussi pour la souris, parce qu'une fois nous sous notre oreiller, je sais pas. Oui, sauf la petite souris aussi. La petite souris, elle vole, tu penses ou pas? La souris ne peut pas ramper. Oui. Donc, elle peut, si elle a des griffes, cette souris, elle grimpe. Oui. La petite souris, c'est-à-dire la fée des dents. Oui. Oui. Yani, quand elle va sous notre oreiller, elle nous touche, mais on ne sent pas. Parce qu'on est endormi. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on dort très profondément. Juste. Très bien. C'est comme le Père Noël. Quand il vient, il passe et on ne se réveille pas. Ouais. N'est-ce pas? L'autre fois, il a mis une balançoire dans la chambre de ma soeur, elle n'a rien remarqué C'est vrai? pendant qu'elle dormait. Trop bien! Trop bien, vraiment. Et on ne sent pas du tout quand il rentre à la maison. En plus, il l'a mis à l'envers. À l'envers, il l'a Oui, mise. en plus, il n'y avait pas de tapis. Pourquoi tu crois? Parce qu'elle était pressée? Pourquoi elle était à l'envers? Où il n'y avait pas de place ou quoi? Non, il y avait beaucoup de place, mais elle l'a mis à l'envers. Ok. Et Et en plus, il n'a pas fait aucun bruit. tu l'as pas entendu. Il est Et en trop plus, fort, le c'est... Père Noël. Il a des pouvoirs magiques. C'est le plus fort au monde, je pense. Non, oui, parce que il peut partir tout de suite quand on se lève et il peut se rapetir comme ça. Il disparaît. Non, il disparaît, il peut se rapetir comme un rat-kiki. Jouer. Il devient tout petit. Oui. Allez, on continue. La pluie s'invite. Qui, Mamila, attrape un nuage pour se reposer un peu? On dirait un tapis volant, dit Manu. Les amis regardent la terre vue du ciel. Tout a l'air très petit. Le nuage, Comme celui-là. oui, tout a l'air aussi petit et même plus petit, je pense. Le nuage survole les villes et les forêts. Les enfants sont en train de dire ici, comme tout semble petit, parce qu'ils sont tout en haut et ils ne voient plus ce qui se passe, parce qu'ils sont tout en haut, tout est minuscule. Mais où va-t-on? S'inquiète Manu. On suit le cours de l'eau, explique le Ça veut lutin. dire Ça, quoi c'est le le cours cours de de l'eau. Ça veut dire qu'ils l'eau? suivent L'eau. l'eau là où elle va. C'est ça qu'ils sont en train de suivre. Tout à coup, La pluie ils... commence à tomber. Juste, tout à coup, il pleut. Leur nuage Ne résiste pas. ne résiste pas. Leur nuage devient de plus en plus Plus petit. petit. Oh là là! On va se casser la figure, s'inquiète Manu. On va tomber. Les enfants s'inquiètent parce qu'ils sont sur un petit nuage qui devient de plus en plus petit et ils n'auront presque plus de place pour rester dessus. Maintenant, les enfants survolent les montagnes. L'air est de plus en plus froid et le nuage a disparu. Sautez, leur crie Kimamila, sautez! Les enfants plongent dans une cascade glacée. Dans une cascade Glacé. glacée. Oh là là, ils vont être contents. Au Pourquoi? scout, il prend de l'eau et il est glacé. Quand ils se douchent, oui, les Oui. scouts, quand ils se douchent, ils ont de l'eau glacée, ils n'ont pas d'eau chaude, c'est juste. Alors, mes soeurs, ils ont toujours ça au scout. Après, toi, tu iras au scout, tu seras comme ça, pareil pour toi aussi. Non, j'amène de l'eau pour moi. Ok. Par ici, les amis! Il les appelle, il leur dit, par ici, les amis! Mer à l'horizon. L'eau est très Glacé. froide. Mais Kimamila a plus d'un tour dans son sac à dos. Il en sort une barque. Vite, vite grimper. D'où il a sorti De son sac à cette dos. barque? Elle était déjà là, tu penses? Elle était déjà dans la Non, dans rivière? son sac à dos, j'ai lu cette histoire. Oui, comment il sort une barque de son sac à dos? Parce qu'il avait un petit. Oui, parce qu'il a fait Magie. de la magie. Il a fait un tour de magie et il a eu une barque. Mais les enfants ont en tout cas très, très froid. Sur le fleuve, la barque bouge beaucoup, comme ça, vous, 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 vous,
Tenez-vous bien, très bien, qui m'a mis là? Trop tard. Manu tombe dans l'eau. Il est entraîné par le courant. Il est entraîné par le courant. La barque bouge trop. Regardez comment la barque est en train de bouger dans tous les sens. Alerte! Alerte! Mais où va Manu? S'inquiète Alori. Le fleuve se jette dans la mer, explique Elsa. Veut reprendre le livre pour vous montrer. Le fleuve se jette dans la mer, explique Kimamila. Ouf! Un bateau de pêche s'approche de Manu, s'écrie Alori. Alors, est-ce qu'ils sont inquiets ou pas? Ils sont très inquiets. Et où il arrive ce fleuve, cette rivière, où elle arrive? C'est un bateau oui, de pêcheurs. Oui, et c'est la mer. Il y a la mer au bout. Et à ce moment-là, le bateau a vu Manu. Qu'est-ce qu'il va faire le bateau, à ton avis? Il va les prendre, comme cette histoire. Il va les aider, c'est juste. Elsa vous montre la page. Approche. Voilà, ça c'est la prochaine page du livre. Regardez, elle est là, en plus grand. Le pêcheur invite les trois amis à venir sur son bateau. Peu après, les enfants sont enfin de retour sur la plage. Quelle aventure! Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le pêcheur? Il les a amenés sur la plage et voici la plage. Avec il leur a donné des serviettes aussi parce qu'ils avaient, je pense, très froid. Surtout Manu qui est retombé dans l'eau encore une fois. N'est-ce pas? Oui. Finalement, regarde, ils sont là. Il les a ramenés au bord de la plage. Et regarde, même le lutin s'est mis en maillot pour jouer avec ses amis. Et rentrer dans le petit château. Ah, tu crois que c'est pour lui, peut-être? Ils vont le mettre à l'intérieur. Et en plus, il va rentrer. Et en plus, c'est le même château de tout à l'heure. C'est le même qu'au début? Oui. Je n'ai pas fait attention. Finalement, moi aussi, je vais construire un château de sable, déclare Alori. C'est plus reposant. Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire, Alori? De construire un château de sable. Au lieu de quoi? De creuser. Au lieu d'aller... nager. Au lieu d'aller nager avec les autres. N'est-ce pas? Aïe! Au lieu d'aller nager dans la mer, elle va rester avec son amie pour... Oui, mais moi, je suis restée beaucoup de temps dans la mer parce que j'aimerais les poissons et j'en ai même vu qu'il y a un poisson qui avait des pics. Oui, c'est vrai. Il y a plein de poissons différents dans la mer, Elsa. Mais en plus, plein de différents poissons, des petits, des grands, des moyens. Il y a aussi des multicolores. Oui, c'est vrai. Leur couleur est très différente. Et tu sais... leur couleur est parfois différente quand tu la vois, quand tu le vois sous l'eau et quand tu le sors de l'eau. Ce n'est pas tout à fait la même couleur. Oui, l'autre fois, on en a pris un dans la mer. On a pris une crevette, un crabe, un poisson. Oui, ce n'était pas tout à fait la même chose. C'est la fin de l'été, en tout cas. Bientôt, on ne pourra plus du tout aller au bord de la mer, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne nous as pas emmenés? On va y aller, tu veux? On peut y aller demain. C'est la fin de l'été, hein? Après, il n'y aura plus du tout de piscine. Et il y aura plein de vagues, la pluie et tout ça, n'est-ce pas? Oui, mais j'aime être la pluie. Est-ce que tu seras avec nous, toi, samedi prochain, en TDS, quand on va lire l'histoire avec les enfants et ils vont eux aussi participer, répondre aux questions et avoir un cadeau? Oui? Je ne crois pas. Tu ne seras pas avec nous? Je ne sais pas. Ah, je pense pas. Je pense que tu y seras. Allez! Au revoir les amis, à samedi prochain, venez, venez, on va s'amuser ensemble et on lira ensemble. Vous pourrez vous aussi raconter une histoire et attends, Elsa sera là.